C'est une journée spéciale pour les centres d'entraînement des troupes de parachutistes commando qui vient de dévoiler les secrets de la première étape consacrée aux démonstrations au sol. C'est là après 18 mois de formation à la base Lumwin, grâce à la volonté du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut faire de l'armée une armée modernisée apte à faire face à toutes sortes d'éventualités. Voici la preuve. Les 224 cadres constituent les premiers bataillons de parachutistes commando utilisés à ce jour toutes les matières reçues durant les 18 mois à travers les différentes démonstrations qui prouvent qu'ils sont capables de franchir les caps. La deuxième étape qui reste à franchir sera consacrée aux démonstrations au vol. Rappelez que ces 824 éléments sont formés par les instructeurs congolais avec à la tête le colonel Dem et Siko Monga Tony. Aïe! 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 Aï